Le tournoi de thon de Wedgeport s'est achevé sur la victoire de l'Atlantic Angler. Ce tournoi annuel bénéficie d'une grande participation de la communauté. Pendant une semaine, 120 pêcheurs et 16 bateaux se sont affrontés pour remporter le plus gros thon. Après les adieux de la communauté, les bateaux reviendront tout au long de la semaine pour les peser de thon. C'est incroyable parce que ça porte le monde de la communauté ensemble, tu sais. Mine et l'autre, voir tout le monde et les familles ensemble. Ils se sont mesurés dès que leur arrivée sur le quai et chaque pesée est retransmise en direct pour que les spectateurs puissent la suivre en temps réel. Le Robin Gir a remporté le prix de plus gros thon rouge du Hellhole avec 415 livres et l'Irish Rebel a remporté le prix du plus gros poids total avec 879 livres. Pesant 745 livres, le thon gagnant de cette année n'est pas le plus gros. Ce record est détenu par l'Atlantic Angler en 2014. Cependant, cette victoire est le symbole d'un héritage familial qui se perpétue dans la famille Jacquard depuis des générations. Mes deux grands-pères étaient des pêcheurs de thon dans les 60. Ils se sont retirés. Mon père a commencé à faire la pêche au thon. Quand j'ai sorti de l'école, j'avais l'intérêt de faire la pêche au thon moi aussi. So, mes deux jeunes boys ont décidé qu'ils voulaient faire comme le père et le grand-père. Son père a été l'un des membres fondateurs du tournoi dès sa récréation en 2004. Ses deux fils, que l'on voit ici en 2014 avec sa précédente victoire, sont maintenant en âge de concourir pour remporter le prix de cette année. Pour cette famille et pour beaucoup d'autres sur les côtes acadiennes, la pêche n'est pas seulement un passe-temps ou un travail, c'est un mode de vie. Et pensez-vous que vos enfants vont aller pêcher, faire ce festival avec leurs enfants? Oh, absolument. Yeah, for sure. Ils vont la passion et la petite competitive edge et tout. Ils sont des proud jacquards, ça c'est pour sûr. Et leur héritage, c'est pas seulement la pêche au thon durant le festival, mais la famille pêche le thon commercial. Ils ont une chance de faire la pêche au thon vraiment, vraiment souvent. Nous sommes certains que la famille participera à des tournois dans l'avenir. Et peut-être qu'un jour, nous verrons le record actuel de 796 livres battus.